On va ouvrir la séance. Je pense qu'il y a encore du monde qui va nous rejoindre. Peut-être qu'il y a un peu de problème de trafic. Je me permets de me présenter. Mon nom est Paul Wilberts. Je suis à la Banque de Luxembourg depuis 15 ans. Parmi mes casquettes depuis 15 ans, c'est de suivre tout ce qui sont les activités de mécénat de la banque. Mais je suis également ici à double titre, puisque je viens de reprendre les activités de conseil en philanthropie pour des personnes particulières. Donc je suis doublement heureux d'ouvrir cette séance des midi de la microfinance que nous accueillons donc déjà de manière traditionnelle depuis un certain nombre d'années, dont nous sommes fiers d'être partenaires. Donc, comme vous le savez, notre banque est engagée depuis un certain nombre d'années dans le développement de la philanthropie, de l'impact investing et de l'entrepreneuriat social à Luxembourg. Nous avons cette année voulu célébrer la richesse du paysage et le dynamisme du paysage philanthropique luxembourgeois à travers l'initiative La philanthropie, ça marche, auquel peut-être certains d'entre vous ont participé ou ont assisté. C'est notre engagement. Notre engagement est de faciliter l'engagement de la société civile à Luxembourg en donnant une impulsion nouvelle au cadre existant. Donc l'initiative La philanthropie, ça marche, s'est traduite de deux manières. D'abord, un échange avec le gouvernement au sein même de cet auditorium. À cette occasion, nous avons remis des propositions au gouvernement visant à encourager au niveau réglementaire et au niveau d'autres initiatives le développement d'initiatives d'intérêt général à Luxembourg. Et puis la philanthropie, ça marche, c'était également une grande fête populaire le 17 octobre sur la place d'Armes, auquel notamment ADA a participé au travers d'un stand. Donc nous avions rassemblé 500 personnes qui étaient venues se renseigner, s'inspirer, s'enthousiasmer pour des causes d'intérêt général. Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, dans les circonstances actuelles que nous connaissons, nous devons faire preuve de générosité et de solidarité face à un nombre croissant de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, mais également face à toutes ces familles déplacées qui fuient une violence sans précédent. Nous sommes convaincus que la philanthropie et l'engagement de tous peuvent réellement accompagner les enjeux du vivre ensemble d'une société multiculturelle comme la nôtre. Mais agir au Luxembourg est une chose. Il est également primordial d'agir aux racines du problème et de veiller au vivre ensemble et à l'inclusion sociale des plus défavorisés dans leur pays d'origine. Et c'est précisément le rôle de la microfinance et de l'inclusion financière, expression qui, par sa clarté, démontre l'importance d'un tel outil pour le développement économique des populations généralement exclues des offres bancaires et financières classiques. C'est bien à travers l'inclusion financière que ces populations vont pouvoir s'émanciper et devenir non plus spectateurs, mais bien acteurs du développement économique de leur pays et des opportunités qui en découleront. J'aimerais donc féliciter ADA pour son engagement et ses activités. Depuis des années, ADA contribue au développement économique de nombreuses populations à travers des projets de microfinance, mais également en favorisant la promotion de la microfinance au Grand-Duché, et permet ainsi d'informer et de sensibiliser le public à l'importance d'un tel outil aujourd'hui pour un monde plus juste demain. La conférence d'aujourd'hui nous interpelle particulièrement car elle touche à un sujet que nous connaissons bien en tant que banquiers, l'entrepreneuriat comme l'un des moteurs de la création de l'emploi et de la croissance. Nous sommes aussi curieux d'en apprendre plus à travers la présentation du projet Les Grands Moyens initié par Joanne Bardelletti et qui va nous être présenté par Laura Foschi, dont nous allons tout de suite le découvrir à travers un extrait d'un film. Mais également à travers la présentation des cas concrets par Franck Renaudin, le fondateur et directeur d'Entrepreneurs du Monde. Je tiens également à saluer notre modérateur d'aujourd'hui, Patrick Loche, membre du conseil d'administration d'ADA et de Friendship International, une association avec laquelle nous collaborons étroitement depuis de nombreuses années. J'aimerais également saisir cette occasion pour vous, et avant de céder la parole aux experts, de vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Elle débute, hélas, dans des conditions assez difficiles. C'est pourquoi je vous souhaite également à tous, vous qui œuvrez sur le terrain, le courage nécessaire pour poursuivre votre action qui est plus que jamais déterminante. Merci.
suis fondateur et dirigeant de la société IOT qui est dans l'aquaculture de concombre de mer. Nous embauchons des dizaines de pêcheurs. La récolte se fait pendant la nuit. Nous exportons vers le marché chinois. Concombre des mers, c'est un animal. Les bas que vous voyez là à côté de moi, ce sont des bas d'élevage larvaire. À l'issue de l'élevage larvaire, on envoie les larves dans la nurserie. Une partie de notre production de juvénile est livrée à des communautés de pêcheurs. Nous devons faire 6 à 8 heures de route en roulant à 20 km/h. Les concombres adultes, nous les rachetons à ces fermiers villageois. Dédicace Fambulela Loum, Chimpina Zango, Satia. Mesdames, Messieurs, comme M. Paul Wilvoet vient juste de l'évoquer, pour nous, dans nos pays, il paraît évident que les PME sont un pilier indispensable d'une économie et qu'elles sont particulièrement importantes parce qu'elles sont très, très fortes en création d'emplois. Alors, de l'autre côté, quand on regarde un peu la perception des gens de chez nous, quand on regarde les pays du Sud et particulièrement l'Afrique, on a certains préjugés, voilà, des idées simplistes préconçues. Et l'une d'elles, c'est de ne pas pouvoir s'imaginer qu'en Afrique, par exemple, on puisse avoir des entreprises, de vraies entreprises, petites ou moyennes entreprises. Et parce que de toute façon, tout est tellement compliqué, il est très difficile de s'imaginer qu'on puisse vraiment faire de la création d'emplois à travers des petites et moyennes entreprises. Il y a eu le réalisateur Juan Bardaletti, dont on a vu un premier film, qui, ensemble avec Jean-Michel Severino de l'association Investisseurs et Partenaires, qui ont lancé cette idée de combattre ce préjugé à travers l'outil du film. Et vous venez de voir un premier exemple. Malheureusement, nous devons excuser M. Bardaletti qui, en dernier moment, nous a laissés pour des raisons familiales qu'on peut comprendre, mais où je suis bien content que Laura, notre chère Laura, a pris la relève. Et on reviendra à ça par après. Donc, on aurait bien aimé avoir eu ici Jean qui aurait pu témoigner de cet univers des petites et moyennes entreprises en Afrique. La seule chose que nous pouvons maintenant faire, en somme, c'est de dire ce n'est pas un seul cas, ce n'est pas l'exception qui confirme la règle. Ben, il y en a d'autres aussi. Et pour preuve, on lance un deuxième film de Jean Bartoletti.
My name is Bilikis Adebiyabiola, and I'm the CEO of WeCyclers. Lagos is a really big city, 18 million people. You know, in Nigeria, about 70% of us are poor. One of their biggest problems is waste management. WeCyclers, you know, it's a social enterprise. So we have this very convenient system where households will register to our service and we come to them once a week. And in exchange for giving us the waste, we reward households with points that they can redeem for prizes. It's a privilege for the less privileged. Every day we collect from 500 kilo to 1 ton. I sort 5 bag a day. This is the one of the bag. So we have this web-based points management system where the waste that we collect from the households is inputted to the system, and then we send them SMS texts with their points. But SMS allows us to manage a lot of people. I have 3,239 points. I collect a toasting machine, electric kettle, and a basin. So we have a lot of buyers that buy our products. Some of them make fiber, and fiber can be used in mattresses, for clothes, pillow stuffing. So Bridgeco, they buy our water sachets. We are producing nylon material. This is nylon material. They should use it to produce plastic shear, all this plastic spoon, plastic, or anything plastic, anything rubber. It's a good, nice business, nice, good business. Yeah. LOMA, which is Lagos Waste Management Authority, is a public enterprise, and we've been able to encourage WeCyclers to move on. We believe the program will solve a lot of problems within the vulnerable group, within the poor communities. The success built by WeCyclers in a few years right now, we leverage on that and improve on the public hygiene, just beyond the recycling. Mesdames, Messieurs, donc avec ce, acceptez de notre part que nous avons amené la preuve que le micro, que la petite et moyenne entreprise en Afrique est possible. C'est peut-être difficile de faire, ça c'est une chose à voir à part, mais en tout cas c'est possible. Et ça c'est un point important. Maintenant, à nous de travailler sur un autre préjugé un peu, qui est de dire... quand dans les pays du Sud ou en Afrique en général, ça grouille de micro-entrepreneurs. Partout, il y a des pour tout, on a des micro-entrepreneurs pour résoudre les problèmes, apparemment. Ça vient, c'est un peu aussi notre faute. Hein, c'est parce que la microfinance appelle chaque client un micro-entrepreneur. Est-ce que c'est la bonne approche? Et c'est de ça, en somme, en général, qu'on veut, maintenant avec mes deux orateurs ici, qu'on va essayer de vous montrer les réalités un peu plus nuancées du terrain. À droite, j'ai Laura. Donc, Laura est la directrice du développement institutionnel d'ADA depuis peu. Et je suis bien content qu'elle a pris le rôle de remplacer Juan Bardelletti.
Et Laura vient d'Italie, elle a été directrice d'Etimos, c'est un peu un équivalent d'ADA en Italie. Et elle a une longue expérience de formation, de donner des formations en microfinance, au milieu universitaire ou autre. D'autre côté, j'ai Franck Renaudin, un homme du terrain, un vrai homme du terrain. Depuis 1991, il travaille en Haïti, en Philippines et aux Philippines. Et en 1998, il a créé et fondé l'association Entrepreneurs du Monde. Et depuis lors, Entrepreneurs du Monde travaille dans 11 pays différents et touche à peu près 140 000 personnes par an. La première question que je poserai à Laura, c'est, on est le midi de la microfinance, devrait-on parler de micro-entrepreneurs? Et maintenant, on parle, dans le film, on parle d'entreprises qui sont un peu plus grandes que micro-entrepreneurs. Est-ce que c'est le monde de la microfinance? Merci Patrick. Je dois dire, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, la microfinance s'adresse à ce qu'on appelle les micro-entrepreneurs. Donc, ce sont des personnes qui gèrent des activités génératrices de revenus, la plupart informelles, pas structurées, vraiment ressemblent à des travailleurs indépendants en termes de forme économique et forme juridique, et qu'ils emploient de manière sporadique des personnes, parfois sans une structure d'emploi, de contrat d'emploi, de manière vraiment sporadique ou saisonnière. Dans ces cas, donc, dans la microfinance, la plupart des fois, il y a toujours les exceptions dont il faut tenir compte, on parle des micro-entrepreneurs ou des toutes petites entreprises, très petites entreprises. Ce qu'on vient de voir dans les vidéos, par contre, implique une dimension, une taille différente, et ce qu'en jargon, on appelle le missing middle. Donc, les petites entreprises, celles qui occupent de 5 à 10, 15, 20 personnes comme employés, qui ont une structure, on l'a vu, une structure technologique, une organisation d'entreprise, et qui ont des chiffres d'affaires qui sont différents les 20 000 euros de chiffre d'affaires annuel que peut avoir maximum une micro-entreprise. Donc, est-ce que ce n'est pas le client typique des banques? Nous, on les connaît peut-être comme des clients typiques des banques. Dans plusieurs pays européens, on voit ça comme des clients typiques des banques. Dans les pays en développement, on ne les voit pas comme des clients des institutions de microfinance. Donc, ils ont, malgré leur impact sur le développement économique et sur l'emploi, on ne les voit pas comme des clients cibles des institutions de microfinance ni des banques commerciales. Donc, c'est pour ça qu'on les appelle les missing middle, ceux qui sont un peu les chaînons manquants. Et alors, Franck, est-ce que vous pouvez un peu nous décrire vos expériences du terrain? Est-ce que vous confirmez ce que Laura nous évoque? Oui. Alors, peut-être en rappeler le fait qu'effectivement, dans les pays en développement, l'esprit d'entreprendre est bien souvent nettement plus développé que ce que nous, on peut connaître ici en Occident. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs ou de potentiels micro-entrepreneurs pour des raisons évidentes de survie. Chaque mère de famille est souvent obligée d'entreprendre pour nourrir ses enfants. Et on a beaucoup perdu cette notion dans nos pays où il y a quand même beaucoup d'assistanat. Je suis français, donc je peux en parler d'autant plus facilement. Et c'est un peu dommage. C'est un peu dommage finalement parce qu'un juste milieu parfois pourrait être extrêmement intéressant. Ceci dit, au niveau d'Entrepreneurs du Monde, on a d'abord commencé nos programmes au niveau des mères de famille. Donc, des programmes de microfinance sociale qu'on continue à développer aujourd'hui, qui ont vraiment pour but d'aider l'auto-emploi, donc des personnes qui développent une petite activité, souvent une activité d'achat-vente, avec des petits crédits qui vont de 30 à 200, 300 euros. Mais avec le constat, c'est effectivement, enfin, cette activité-là, elle est bien, elle est utile, mais dans la durée, ça n'est pas ce type d'activité qui va aider les pays en développement à créer de l'emploi et à développer une vraie économie formelle. Alors, donc, du coup, après, dans le temps, on s'est intéressé à l'appui aux TPE, aux MTPE, aussi les micro et très petites entreprises
en Haïti suite au séisme, où on a des bailleurs de fonds qui nous ont invités à appuyer ce type d'entrepreneurs qui avaient besoin de capitaux plus importants. Là, on est sur des montants de prêts qui vont plutôt à 2 000, 3 000, 5 000 euros, donc déjà quelque chose de bien plus significatif, et qu'on a orienté uniquement sur sur la production de biens ou sur les services. Et on a ajouté à la difficulté, comme on était en Haïti, ce qui était déjà bien compliqué, on a voulu rendre la chose encore plus compliquée, on a souhaité ne s'adresser qu'à des créateurs de TPE. Donc là, on a vraiment augmenté le niveau de difficulté. Et là, on est sur donc, des activités, le tout venant, mais dans la production et les services, dans l'idée même d'être avec des entrepreneurs qui eux-mêmes vont créer de l'emploi. Donc, alors idéalement, on est sur des petites activités qui, elles, créent 2 à 3 emplois, pas beaucoup plus, mais c'était l'objectif de départ. Hein. On ne prétendait pas aller beaucoup plus loin. Et puis, on a aussi, à peu près dans le même temps, était sur un troisième métier qui est l'entrepreneuriat social. Donc en partant du principe qu'on travaille avec des populations qui n'ont pas accès typiquement à un habitat naissant, à un habitat décent, qui n'ont pas accès à des solutions de cuisson ou à des solutions d'éclairage satisfaisantes, on a créé un troisième métier qui est l'appui à l'entrepreneuriat social. Donc là, l'objectif dans 5 pays aujourd'hui, mais ça se développe de plus en plus, c'est de créer dans chaque pays une entreprise sociale, donc là plutôt de taille petite entreprise, hein, on n'est plus dans de la TPE, mais dans de la petite entreprise, plus comparable à ce qu'on vient de voir, qui va avoir pour vocation à diffuser des produits utiles pour les populations les plus vulnérables. Donc typiquement, chez Entrepreneurs du Monde, aujourd'hui, on est en cours de 5 créations d'entreprises sociales dans 5 pays différents, sur les problèmes d'accès à l'énergie pour les populations les plus vulnérables. Donc des entreprises qui vont diffuser des lampes solaires, des foyers améliorés à bois ou au charbon, des réchauds à gaz, des kits solaires, puisque le problème de la question de l'accès à l'énergie est vraiment bloquante dans les pays où nous travaillons. Merci Franck. Donc ça me rappelle très fortement chez ADA certains projets. Donc il y a un projet jeune, on a un projet Microenergy. Est-ce que, Laura, tu peux confirmer un peu les expériences qu'on a faites chez ADA au niveau de ces activités ? Mais disons, depuis toujours, ADA sert les micro-entrepreneurs, les toutes petites entreprises via le soutien aux institutions de microfinance. Donc, c'est notre intermédiation qui permet d'atteindre le micro-entrepreneur, l'activité imprenditoriale. L'accompagnement, on a différents projets, donc comme tu évoquais justement, en particulier celui des jeunes Afrique, qui permet d'avoir une idée de combien il est important l'accompagnement, donc au-delà du service financier. Dans ce type de projet, donc, on aide l'institution de microfinance à cibler et à mieux servir des jeunes entrepreneurs, en particulier en Afrique. Et le mécanisme, c'est vraiment de pouvoir offrir des services financiers adaptés et de l'accompagnement, un accompagnement qui est en particulier dédié à la bonne gestion de leur entreprise. On parle des jeunes des 18 à 35 ans qui ont une petite expérience de travail. Donc la partie technique, disons, est déjà acquise, mais ils ont besoin de capacités entrepreneuriales. Et tout ça est offert avec le crédit, même avant le crédit, durant la période de sélection, et permet aussi à l'institution financière d'avoir assuré le monitoring de l'entreprise tout le long de l'offre du service financier. Donc c'est une sorte de réduction de risque pour l'institution. Oui, mais quand même, ça prend beaucoup de temps et ça coûte. Est-ce que la microfinance, l'institution de microfinance peut se permettre de porter ses coûts d'accompagnement et ça c'est en somme pour vous deux. Hein, donc comment avez-vous résolu ce problème respectivement ? Dans ces projets spécifiques, c'est justement l'apport d'organisations comme ADA
qui aide l'institution à structurer le projet, donc en termes de dons aussi. Et aussi Rotary qui aide ADAP pour le faire. Voilà, j'allais l'ajouter, absolument. Et donc la nécessité d'avoir des ressources qui sont à fond perdues, hein, donc des dons, donc celui justement du Rotary, qui nous permet d'aider l'institution microfinance à offrir ce type d'accompagnement également. Et voilà, donc il faut aussi... Comment vous avez résolu ce problème ? Alors, pour la partie au niveau des programmes de microfinance, nous, on est un incubateur de programmes. Hein, donc, il faut, au début, donc pendant les 5 premières années, nous mettons les fonds qu'il faut pour développer les activités, développer l'offre, créer une structure locale, recruter une équipe locale, disparaître et laisser une structure qui soit viable, autonome, qui peut autofinancer la partie accompagnement des mères de famille pour l'activité, pour les activités génératrices de revenus, donc le niveau le plus bas en termes de montant et avec les formations les plus simples. Quand on parle d'appui au TPE, là, notre expérience en Haïti montre bien qu'on est obligé de faire appel à des subventions, à des dons. L'accompagnement est complètement, est évidemment indispensable. Il est beaucoup plus lourd. Comme on a fait le choix d'être au niveau de la création de TPE, ça veut dire qu'on va être impliqué dès le démarrage du projet avec l'entrepreneur pour définir son projet, faire un business plan avec lui, lui apprendre à faire un budget, monter un dossier de crédit avec lui. Et une fois que le crédit est octroyé, il y a toute la partie post-accompagnement qui va être de l'aider à lancer son activité, à développer son marché, trouver des clients. Donc c'est extrêmement lourd et bien évidemment coûteux. Et en Haïti, on a testé différentes formules. Hein. On a testé du lancement de micro-entrepreneurs avec une formule don et prêt et une formule avec du prêt uniquement. Et là, on est absolument convaincu que si on veut que ça marche dans la durée, il faut aussi au niveau de l'entrepreneur qu'il n'y ait pas que du crédit, mais qu'il y ait une composante don. Simplement aussi parce qu'on est dans des pays où l'accès à l'énergie coûte beaucoup plus cher que dans des pays occidentaux. Il y a des problèmes de sécurité importants. Il faut donc un budget sécurité de l'activité relativement important. Donc si l'entrepreneur part, les taux d'intérêt sont souvent bien plus élevés que ce que nous connaissons nous. Si l'entrepreneur part avec 3-4 gros handicaps, son activité ne sera jamais concurrentielle par rapport à des produits importés. Donc notre grande conviction aujourd'hui, c'est que pour appuyer l'émergence de TPE, on doit accepter, ce n'est pas toujours acceptable dans l'esprit de cartésien, mais on pense qu'il faut accepter qu'il y ait une partie sous forme de dons, pas forcément majoritaire, hein, mais qui permettent par exemple d'équiper l'entreprise avec tout ce qui touche à l'accès à l'énergie, un générateur ou un accès à l'électricité, etc. Et une partie complémentaire sous forme de prêt assez classique. Est-ce que ce serait plutôt... Là, tu parles de dons, mais est-ce que peut-être on peut imaginer aussi que ce serait quelque chose comme impact investing, donc qu'on met à disposition de l'equity, hein, du capital, parce qu'en somme, c'est ça qui leur manque. Hein, sur notre niveau, pour la partie appui au TPE, on est sur vraiment de la toute petite activité qui génère 2-3 emplois. On est encore très loin de structures qui soient capables... des entreprises sociales qu'on crée pour l'accès à l'énergie ou de ce qu'on a vu dans le film. Donc je pense qu'il faut accepter qu'il y a un échelon intermédiaire dans lequel on ne parle pas non plus d'actionnariat et pour lequel on soit vraiment dans le don. Par contre, dès qu'on parle des entreprises sociales, nous, qu'on crée aussi pour l'accès à l'énergie ou ce qu'on a vu dans ce film-là, oui, là, on peut marcher et on fonctionne avec de l'actionnariat. Donc tout dépend vraiment du niveau auquel on se situe. Et je crois qu'il faut bien avoir en tête ces différents échelons entre la mère de famille et la petite entreprise, hein, où il y a différentes catégories de personnes et d'entrepreneurs avec des besoins qui peuvent être différents d'un niveau à l'autre. Et maintenant, une fois que tu as créé tes TPE, tes très petites entreprises, elles vont devenir, espérons-le, petites à un moment. Hein, donc, en somme, elles deviennent grandes, hein, en devenant petites. Et est-ce qu'à ce moment-là, il suffit juste de continuer de leur donner des prêts ou est-ce que c'est un accompagnement continuel dont on a besoin ou comment tu vois les choses ?
Alors c'est un petit peu dur de répondre vu qu'on n'a pas non plus forcément le recul. L'appui au TPE en Haïti, on l'a démarré en 2011, donc on n'a pas non plus un recul très très long. 4 ans, c'est rien dans ce domaine d'activité. On a quand même le sentiment, avec nos trois métiers, qu'on passe pas de la mère de famille qui gère son activité d'achat-vente de poissons à une activité de très petite entreprise et puis après, où elle deviendrait gérante d'une petite entreprise. Non, on a un petit peu le sentiment que ce sont quand même des publics assez cloisonnés. Parmi toutes les personnes qu'on appuie en microfinance, il y en a quelques-unes qui peuvent devenir des gérants de TPE, mais globalement, on est quand même sur des populations cibles quand même un petit peu différentes qui viennent parfois toutes d'un même milieu défavorisé, mais en termes d'état d'esprit, de culture d'entrepreneuriat, qui sont des personnes qui d'emblée vont s'inscrire dans telle ou telle ou telle case. Et du coup, pour nous, il s'agit surtout d'accompagner la personne là où elle est dans son objectif de générer du revenu, mais pas forcément de rêver de partir de la mère de famille dans son quartier pour qu'elle devienne patronne d'une petite entreprise, parce que ça, en général, ça marche pas. Tout le monde n'est pas dans ce schéma-là. Mais dès lors qu'on accompagne de la TPE, il faut être dans l'accompagnement dans la très longue durée. Y compris sur le fait de les aider à trouver des marchés, de trouver de la clientèle et accepter de développer des outils pour pouvoir être présent dans la très longue durée si on veut que ça tienne. Encore une fois, on est des pays où il y a des crises climatiques, des crises politiques, le découragement peut vite arriver et je crois qu'il faut accepter d'être là en accompagnement dans la très longue durée. Ouais. Et Laura, alors, supposons qu'on réussit à mettre en place tout cet outil d'accompagnement et d'appui technique, est-ce que tu penses que les IMF d'aujourd'hui, elles ont les produits financiers adaptés à cette évolution de leur clientèle projetée dans l'avenir? Il y aura... Bon, c'est difficile de généraliser, mais disons en général, je pense que la microfinance aujourd'hui, pour l'instant, n'est pas suffisamment équipée. La taille de crédit, de prêt est trop petite, la durée est trop courte, les services ne sont pas suffisamment adaptés. Il y a des exceptions, toujours, mais je crois qu'il y a une nécessité par les institutions de microfinance de faire une sorte de upscaling, de trouver le moyen et les services les plus adaptés, les produits les plus adaptés à ces types d'entreprises qui ne sont pas la cible traditionnelle, mais qui peuvent le devenir. Comme disait Franck tout à l'heure, c'est vrai que peut-être on se trompe si on imagine que chaque micro-entrepreneur devient un petit entrepreneur, mais dans les portefeuilles très nombreux des institutions de microfinance, il y a peut-être déjà des futurs petits entrepreneurs. Et donc, le fait de ne pouvoir pas servir l'évolution de cette entreprise, c'est pour les institutions elles-mêmes frustrant, dans le sens qu'elles n'ont pas la structure opérationnelle, le business model pour le faire, et donc elles vont perdre ce potentiel client qu'ils ont à disposition. D'un autre côté, c'est vrai aussi qu'aujourd'hui, les banques, surtout dans les pays qu'on a vus dans les vidéos, ne sont pas structurés non plus. Je ne parle pas des volontés, mais je reste toujours sur la structure, pour offrir des services financiers aux petites entreprises. Elles sont trop risquées, les banques préfèrent, dans la plupart des pays africains, investir dans la dette publique, qui est plus rentable, plus sûre. Et dans l'autre côté, donc, elles voient les dossiers de ces entrepreneurs comme trop risqués. Vraiment, n'y vont pas. Donc, c'est à la fois une sorte de upscaling des institutions de microfinance et du downscaling du secteur bancaire commercial présent pour mieux répondre aux besoins de ces entreprises-là. Donc, ce qui m'a frappé, je trouve très intéressant avant, c'est que Franck avait évoqué qu'il avait d'un côté une orientation vers des activités qu'on appellerait de survie. Hein, une activité de survie, c'est d'acheter et de vendre. Hein, c'est le commerce de la rue. Hein. Effectivement, la majorité des clients de la microfinance sont plutôt des micro-entrepreneurs de ce type-là. Hein, des entrepreneurs malgré eux. Hein, et qui doivent être entrepreneurs, sinon ils ne peuvent pas survivre. Et là, ce qui est intéressant, ce que vient de dire Laura, c'est que
dans le portefeuille client, hein, si on peut dire, de la microfinance, il y a un certain pourcentage de gens qui peuvent plus que juste improviser leur survie. Hein. Et si on les accompagne, que là, on peut aller un pas en avant. Et il y avait un élément intéressant aussi de Franck avant, qui faisait bien la distinction entre les activités achat-vente à financer par une microfinance sociale par rapport à des activités production ou service. Donc, ce sont des activités génératrices de plus-value. Ce sont des activités qui peuvent se développer et qui peuvent continuer dans le temps. Hein, et c'est très intéressant et très important peut-être de vraiment de faire attention. Nos clients dans la microfinance, ils sont dans quel domaine ? Et d'aller chercher ceux qui sont déjà aujourd'hui dans des activités vraiment productrices ou de services et de les accompagner pour se développer. Ça, c'est un peu ce que j'ai appris de notre discussion, mais j'aimerais profiter quand même de la présence de Franck ici, qu'il nous donne un peu sa vision de l'avenir de la microfinance avant de passer aux questions et réponses. L'avenir de la microfinance, alors ça dépend de quelle microfinance on parle, hein, mais celle peut-être dont on parle maintenant. Celle pour la mère de famille ou celle pour la TPE ? Voilà, pour la TPE plutôt. Est-ce que c'est possible ? Mais finalement, les limites de la microfinance, que ce soit pour la mère de famille ou pour la TPE, je pense c'est comparable dans les deux cas, à savoir que la microfinance aujourd'hui ne prend pas de risques. Et ne créent pas d'activité. La quasi-totalité des acteurs de microfinance font du développement d'activité. Aller chercher ceux qui font de la création d'activité, même pour la mère de famille, il y en a extrêmement peu, parce qu'on est dans la culture de ne prendre aucun risque. Et c'est un petit peu pareil pour la TPE. Alors nous en Haïti, on se retrouve à être vraiment le seul opérateur à appuyer de la TPE en création. Il y a d'autres opérateurs pour la TPE en développement, mais sur l'activité en création, il y a encore tout à faire, tout à inventer. Il est vrai qu'on l'a dit tout à l'heure, hein, il faut de l'accompagnement dans la longue durée et ça coûte relativement cher. Mais si on veut vraiment créer ce tissu d'entrepreneurs qui eux-mêmes créent de l'emploi, je crois qu'il faut que la microfinance apprenne à être aussi créatrice de TPE et non pas seulement accompagnatrice de TPE déjà existantes. Donc je crois que là il y a un vrai enjeu. Et puis un autre enjeu auquel nous on ne sait pas toujours répondre non plus, hein, c'est d'apprendre aussi à sortir des grandes capitales, des grandes villes, pour aller trucher les entrepreneurs en milieu rural. Mais là aussi c'est un problème commun avec la microfinance au niveau des activités génératrices de revenus, c'est qu'on a du mal à sortir des grands centres et à aller toucher les familles les plus enclavées. Mais dans les campagnes, il y a aussi de vrais entrepreneurs capables de créer de l'emploi. Merci beaucoup, Franck. Merci beaucoup, Laura. Donc, je propose de passer aux questions-réponses. Est-ce qu'il y a des questions dans le public ? Normalement, il devrait y avoir des micros. Est-ce que les micros sont disponibles, s'il vous plaît ? Pauline, ici. Pardon, monsieur. Bonjour, Clive Mann de MVC Affairs. Je voudrais vous demander, peut-être Laura, chez ADA, est-ce que vous avez un département responsable de l'innovation et notamment comment on pouvait aussi travailler avec les réfugiés? Je réponds comme la question très facile. Oui, on y va tout de suite. Quand vous voulez. On a un département dédié à l'innovation, à la diversification des produits. Ça ne s'appelle pas avec ce mot précis, mais qui agit dans les soutiens aux institutions de microfinance, dans la diversification et l'innovation des produits. Donc la réponse est oui. Comment travailler avec les réfugiés ? Alors, il y a un grand débat aujourd'hui. La microfinance, des programmes de microfinance dans les passés ont été développés par des agences, la plupart menées par des Nations Unies, vis-à-vis des réfugiés dans différents pays, Amérique latine en particulier, ou Afrique.
Aussi dans les Balkans, mon souvenir de travail au Kosovo, c'était aussi lié à des programmes de microcrédit et de microfinance. Il faut savoir que le réfugié a des caractéristiques particulières. Ce n'est pas les migrants nécessairement. Ce n'est pas quelqu'un qui a la possibilité tout de suite de s'installer à mener des activités économiques et parfois il est censé de retourner au pays. Donc il faut mettre en pratique toute une série de méthodes spécifiques pour cette cible. Il y a pas mal d'organisations qui commencent à faire ça. Merci. Une autre question ? Pardon. Et puis après ici. Une question par rapport aux investissements nord-sud. Donc, nous autres, investisseurs au nord, à travers les fonds microfinance, on a pu intervenir dans des projets au sud. Maintenant, pour le grand public, la microfinance, c'est des prêts de 1 000 euros pour des petits agriculteurs, où vous avez dit une mère ou une jeune femme. Maintenant, si nous, on veut investir dans des SMI en Afrique, est-ce qu'il faut dire, OK, les fonds microfinance traditionnels qu'on connaît, on doit les ouvrir pour dire que maintenant, la microfinance, c'est aussi des SMI? Ou alors, est-ce qu'il faut recréer un nouveau label de fonds qui ne s'appellerait plus microfinance, mais je ne sais pas, SMI finance ou quelque chose comme ça? Ou est-ce qu'on doit laisser tout dans un grand pot très large qu'on appelle microfinance? Franck. C'est une question pour Laura ou pour Patrick? Non, pas pour ces deux. On peut. Oui, sinon, Laura, tu. Je la connais bien. Donc. Ah, donc tu réponds. Alors, réponds. Non, moi, ce que je peux dire, c'est que sur notre volet, notre métier entrepreneuriat social. Pour rappeler, ces entreprises sociales qu'on crée pour l'accès à l'énergie et autres. On fait appel à de l'actionnariat direct, sans forcément d'intermédiaire. Un particulier, enfin une entité ici, peut très bien investir directement dans le programme. Pour la partie appui au TPE, moi personnellement, enfin avec notre expérience aujourd'hui, on ne fonctionnerait pas aujourd'hui avec des prêts. Mobilisés ici pour prêter à nos entrepreneurs parce que les taux de remboursement ne permettraient pas de rembourser les investisseurs. Donc aujourd'hui, alors encore une fois, on a choisi Haïti, que de la création, on n'a pas pris le modèle le plus facile. On a aussi un autre programme au Sénégal qui se rapproche un peu de ce qu'on fait en Haïti, mais pas complètement, qui lui a des très très bons taux de remboursement, et là où on pourrait faire appel à des investisseurs. Donc du coup, aujourd'hui, on n'en est pas à cette réflexion-là. Et voilà d'où mon embarras pour vous répondre par rapport à la question du véhicule pour atteindre les TPE. Peut-être au niveau ADA. Oui, vas-y. Bon, juste pour rebondir, je ne suis pas sûre que ce soit seulement une question d'appellation. Je crois qu'il y a derrière une façon différente de s'approcher à un marché qui est différent. Personnellement, ça peut continuer de s'appeler microfinance, je n'ai rien contre. Mais ce qui est certain, c'est que l'investisseur du Nord et l'intermédiaire du Sud doivent un peu changer leur approche au risque, par exemple, et leur modalité d'intervention. Ça, oui. Donc, c'est un peu comme redevenir pionnier, comme la microfinance l'a fait il y a 20 ans, si on veut. Ça devrait devenir un compartiment à part, probablement. Mais en fait, ça rejoint nos interrogations. Pour la TPE, la MTPE, je pense qu'idéalement, il faudrait dans un scénario de fonds qui soit à la fois une partie en don, une partie en prêt, et travailler avec des personnes qui sont à la fois dans cette culture du don et du prêt, parce que, encore une fois, nous, on est convaincu qu'il faut les deux pour accompagner ce type de petits entrepreneurs. Ouais. Merci. Donc, c'est à créer, en effet. Pauline, ici, il y avait une question. Ah, bon. Et après, alors, excuse. On l'a fait courir. Il y a des questions là. Oui, bonjour, Jean Yéclé de chez ADA. Nous avons une question de la part d'un internaute en direct
qui s'adresse plus particulièrement à Franck. Pensez-vous qu'il soit indispensable d'être basé sur le terrain pour soutenir au mieux la microfinance, ce qui est la grande différence entre ADA et Entrepreneur du Monde? Attention. Aïe, je ne sais pas. Cet internaute va être très loin d'ici. Il est basé où, cet internaute? Non, on a une culture terrain extrêmement forte dans l'expérience d'Entrepreneur du Monde. On a d'abord appuyé des acteurs de la microfinance, donc des acteurs locaux de la microfinance. Et pour différentes raisons, on trouvait que ça n'allait pas assez vite, que ce n'était pas assez orienté, plus pauvre, etc. On a des principes assez importants, notamment alors pour les programmes de microfinance, hein, pas pour la TPE, mais pour les programmes de microfinance, qui sont de typiquement ne demander aucune garantie aux familles, ni matériel, pas de caution solidaire, pas de méthode de groupe avec caution solidaire, etc. Et il est très, très difficile de trouver des acteurs locaux qui acceptent d'aller aussi loin, parce que souvent, ils n'y croient pas, parce qu'ils ont entendu parler de Mohamed Younous et de la caution solidaire, voilà. Et du coup, on est devenu complètement incubateur. Donc, on a décidé, oui, avec nos équipes, de d'abord répondre aux besoins, enfin, identifier, répondre aux besoins, lancer les programmes en étant complètement présent sur le terrain, mais à chaque fois dans le but de disparaître. Donc, dans le but de constituer une équipe locale, une direction locale, une structure de droit local, et dans un délai moyen de 5 ans, de disparaître. Et finalement, on a repris ce principe pour les programmes d'entrepreneuriat social et ça marche plutôt très bien, donc on est vraiment dans cette culture-là d'être très très terrain pendant toutes les phases d'incubation et après de quitter complètement le terrain. Donc oui, nous pensons qu'il faut être extrêmement présent sur le terrain, notamment quand on veut assumer ce métier d'incubateur. Merci. Alors, monsieur, deux questions s'il vous plaît. La première sur le formel et l'informel. La microfinance s'adressait souvent à des gens qui sont dans le domaine informel. Je ne peux pas imaginer qu'une PME, peut-être une TPME, puisse rester dans le domaine informel. Est-ce qu'on peut imaginer une entreprise de microfinance qui a l'habitude de l'informel travailler complètement différemment dans le milieu formel? Ça, c'était la première question. Et la deuxième question, quand on travaille à une certaine taille, on devient très visible. Et donc, on attire les convoitises de certaines personnes bien placées. Est-ce que ça veut dire qu'à ce niveau d'entrepreneuriat, on a besoin d'un genre de protecteur comme, je dirais, une association un peu patronnée de l'étranger qui puisse, je dirais, limiter les risques d'appropriation? Ce que vous faites d'une certaine façon. Sur la question du formel informel, de notre côté, en effet, enfin, ce ne sont pas les programmes de microfinance qu'on a créés ne font pas d'appui au TPE. Hein. En Haïti, quand on a voulu faire de l'appui au TPE, on a créé un programme qui s'appelle Oser l'entreprise, qui est avec une équipe complètement différente, avec des services complètement différents. Et je crois qu'effectivement, il serait ambitieux. Ça peut être compliqué. Alors, comme l'a dit Laura, dans la microfinance, il y a des gens qui émergent, qui ont le potentiel de devenir des micro-entrepreneurs. Mais nous, notre idée, c'est plutôt de les repérer dans l'institution de microfinance qu'on a créée et après de les transférer dans le programme Oser l'entreprise, où là, ils vont pouvoir être accompagnés, etc. Et oui, dans la microfinance, on est dans l'informel et on va rester dans l'informel dans la durée. Par contre, on a des modules de sensibilisation, de formation sur l'importance d'être déclaré, enregistré, de payer de l'impôt. Il y a très peu d'entrepreneurs qui passent à l'acte. Il y en a vraiment extrêmement peu. Néanmoins, on se donne cette obligation de les informer sur ce que c'est que le secteur formel, l'impôt, etc. Et encore une fois, comme on est dans la TPE, il est assez normal qu'il y ait une majorité qui décide de rester dans l'informel. Par contre, sur tout ce qui est entrepreneuriat social, les entreprises sociales qu'on crée, elles sont, on ne peut plus formelles, vous l'imaginez bien. Par rapport aux gens qui réussissent, le problème, c'est que, là encore, je reprends le contexte d'Haïti, parce que c'est là qu'on est en TPE, et puis j'en reviens, j'y étais les deux dernières semaines. Malheureusement, tout le monde est
Tout le monde est victime, c'est-à-dire que il y a des problèmes d'insécurité qui touchent finalement tout le monde et pas seulement celui qui réussit. C'est une de nos grosses difficultés qu'on a à résoudre rapport au prince, c'est que dès qu'on a pu équiper certains entrepreneurs avec une photocopieuse, un four à pain ou autre, la majorité de nos entrepreneurs ont été victimes de cambriolages, de détournements, de vitrines cassées. Et c'est une difficulté qui dépasse finalement pour nous la personne qui a réussi. La question de la sécurité, et c'est vrai que là on est un peu désemparé parce que c'est quand même du domaine du ressort de l'État et non plus d'une autre. Mais encore une fois, il y a des pays comme le Sénégal où on sent qu'en Afrique de l'Ouest, il serait beaucoup plus facile de développer ce type d'activité, et c'est ce qu'on va s'attacher à faire dans les années qui viennent, où il y a quand même beaucoup moins de problèmes qu'en Haïti, typiquement. Oui, merci. Une question. Michel. Allez-y. Merci, c'est Michel Diallo. Je suis conseiller pour les créateurs d'entreprises et spécialiste de business plan. Ma question intervention. 20 ans, donc ça ne me rajeunit pas. Je disais souvent, on met souvent les charries avant les bœufs. Je me rappelle la première conférence à l'ambassade de France en Mauritanie. Lorsque l'Internet venait, on dit voilà, vous aurez Internet et tous les petits producteurs, des entrepreneurs pourront vendre leurs produits à l'étranger. Avant de pouvoir vendre les produits, il faut pouvoir les transporter d'abord. Donc le problème en Afrique pour les PME, TPE, c'est l'infrastructure, c'est les routes. Donc si vous donnez des microcrédits au fin fond d'Afrique et qu'eux n'ont pas les moyens de transporter en ville pour les exporter, c'est de l'investissement stérile. Ma deuxième remarque, effectivement, il y a des entreprises de production qui existent, qui peuvent exister. Mais deuxième infrastructure, c'est l'infrastructure, vous venez de le dire, monsieur, c'est l'énergie. Il faut de l'énergie. Et je vois que durant ces trois dernières années que les gens commencent à réfléchir, il faut développer des énergies de renouvelables en Afrique, utiliser le soleil naturel pour faire de l'énergie. Et je suis content, avant de venir, j'ai visionné une vidéo d'un entrepreneur français qui est parti en Côte d'Ivoire, qui fait un kit énergie. C'est-à-dire, il prend les conteneurs, il met de l'énergie dedans, l'énergie solaire, et à partir de là, il développe d'autres activités de transformation, de conservation de produits. Tant qu'il n'y a pas de l'énergie solaire utilisée pour conserver ou transformer ces produits, les entrepreneurs, 80%, ce sont des ruraux, ne pourront pas s'en sortir. Et deuxièmement, je pense troisièmement, pour les crédits, pour ceux qui peuvent quitter la micro-entreprise pour aller à un petit TPE, parce qu'on parlait de déployer les grands moyens pour les petites entreprises, c'est l'accompagnement financier. Effectivement, les banques sur place ne donnent que des crédits à court terme, très court terme, surtout pour les commerçants, ceux qui font plutôt de achat-revente des produits venant de Chine ou Dubaï, etc. Donc, et ça mine la production locale. Donc ce qu'il faut, c'est aider ces entrepreneurs-là à pouvoir acquérir des investissements un petit peu lourds, donc ce qu'on appelle les immobilisations, par les crédits bancaires et le besoin en fonds de roulement par les microcrédits. Ça peut bien, vous venez de le dire, monsieur le modérateur, donc il y a deux choses qui passent. Donc microcrédit, microfinance ne peut pas financer les investissements lourds, donc les gros investissements de production. Donc il faut voir, soit avec les dons ou de crowdfunding, dire bon voilà, il y a tel entrepreneur qui a un projet magnifique de recyclage, vous voulez investir dans l'outil de transformation, de production qui coûte peut-être 500 000, 1 million. Et nous, on va s'occuper du besoin en fonds de roulement. Et voilà mon intervention. Merci. Est-ce qu'il y a encore... Donc, c'était une constatation très intéressante qui confirme l'expérience du terrain. Est-ce qu'il y a encore un autre... Oui, Luc. Peut-être juste avoir deux mots sur le taux de pérennité des petites entreprises. Est-ce qu'elles s'inscrivent dans la durée? Bon, le recul n'est pas encore très très long. Mais... En Haïti, hein, pour le moment, au niveau des TPE qu'on a appuyées, on doit être à 250 TPE appuyées depuis le début du projet. Sur celles des premières vagues hein, qui ont plus de... Alors, à un an, on est à 70% de viabilité encore. À trois ans, on est à 55%. Voilà, ce qui pour Haïti est plutôt bien. Oui. Est-ce dans le contexte, oui. Je pense,
Pardon. Voilà, non, non, il faut toujours mettre en rapport par rapport à la création d'entreprises. Chez nous, il y a aussi un très fort pourcentage en France, qui n'est pas très, très élevé. Hein. Je ne sais pas si on n'est pas à 60 ou 70% à 2 ans. Donc, D'accord. Comme le temps avance, je propose qu'il y ait une dernière question, madame. Merci. J'aurais une question pour les deux en particulier. Pour M. Franck Renaudin et aussi Mme Laura Fauchy. Est-ce que vous pouvez citer dans quel pays d'Afrique en particulier vous menez actuellement ces actions d'accompagnement, donc actuellement, et puis dans un horizon à court terme et moyen terme, dans quel autre pays d'Afrique vous comptez vous installer ou mener donc ces actions? De un, de deux, sur quels critères vous vous basez pour choisir les pays d'Afrique où vous voulez mener ces actions d'accompagnement? Et ensuite, vous parlez de déployer les grands moyens pour les petites entreprises. Sur quels critères vous basez pour accompagner ces petites entreprises? Est-ce qu'il s'agit du profil à la fois pour les trois profils en particulier, à la fois sur les mères de famille, TPE, MTPE ou encore l'entrepreneuriat social? Quels critères ils devraient présenter pour justement pouvoir demander ces grands moyens, pouvoir être accompagnés? Merci. Je commence. Par rapport à ADA, les projets jeunes dont je parlais tout à l'heure, on est actif au Burkina Faso et Togo-Niger. La sélection des pays, ça se fait vis-à-vis d'un diagnostic qui nous permet d'identifier les institutions de microfinance les meilleures et les plus disponibles à travailler avec nous, donc pour la mise en place de ces nouveaux produits et ces nouvelles formes d'accompagnement. Donc, il y a aussi des critères qui concernent un peu la disponibilité vraiment des ressources humaines qui sont mises à disposition et la capacité de l'organisation de développer. Donc, on n'arrive pas, il n'y a rien du tout. On essaie vraiment de voir s'il y a des opportunités de développement de ces activités-là. L'avenir, je ne vais pas prendre le temps de notre président qui va... peut-être parler de ça tout à l'heure. On a dans notre stratégie une idée d'intervenir beaucoup plus dans les pays moins avancés, donc dans autres pays d'Afrique, tout en considérant que ce sont les pays dans lesquels les besoins des services financiers et d'accompagnement sont les plus puissants. Et donc, c'est la façon avec laquelle on va développer notre stratégie les années à venir. Voilà, et pour Entrepreneurs du Monde, donc en microfinance sociale, hein, on a développé des programmes au Sénégal, au Burkina Faso, au Bénin, au Togo et au Ghana. On a développé des programmes d'entrepreneuriat social, donc d'accès à l'énergie, au Togo et au Burkina Faso, suite à des études montrant qu'il y avait des problèmes de déboisement. Voilà, mais on aurait pu décider de démarrer ailleurs. Et en termes d'appui à la TPE, donc pour le moment c'est le Sénégal et les nouveaux développements pour l'Afrique, hein, je ne parle pas d'Haïti, mais pour, c'est plutôt le Sénégal avec des développements prévus au Burkina Faso pour le prochain pays et probablement après derrière les pays où on est actuellement actif. En termes de nouveaux développements, on vise aussi les pays les moins avancés, donc les prospections qu'on fait actuellement pour les développements d'activités, c'est la Guinée-Conakry où on va démarrer en 2016. Et puis après, Sierra Leone, Libéria ou Tchad. Ah, moi, je n'ai rien fait, ce n'est pas de ma faute, hein, je ne suis pas responsable. Non, ça c'est vous, monsieur. Non, ça c'était c'est l'orateur qui n'est pas là, qui a réalisé voilà, c'est lui le coupable, c'est celui qui n'est pas là. Voilà. C'est une initiative. Permettez-moi de conclure, comme le temps presse. Madagascar, vous avez une très belle ONG qui travaille dans l'appui à l'entrepreneuriat. Alors, plutôt que côté microfinance sociale, c'est Interred qui a développé plein d'offres avec des IMF locales à Madagascar, à Antananarivo, à Antsirabe, à Manakar, à Majunga, enfin dans plein d'endroits du pays. Voilà, si vous voulez, je vous donnerai leurs coordonnées. Permettez-moi donc de
conclure, je vais rapidement, en deux mots, non, en trois mots. Première chose, première constatation, les activités de survie, la microfinance semble offrir un outil performant. Secondo, les activités de développement, de production ou de prestation de services, il y a un besoin très fort, très important. Il n'y a pas encore la solution, certainement. Et un troisième point, qui est très important aussi, le besoin de créer des infrastructures. Et je pense, on ne parle pas ici seulement des routes à construire, mais infrastructures au niveau terre-à-terre, offrir des services d'énergie. J'étais frappé par une expérience au Burkina, on parlait de tracteurs. Ici, en Europe, quand un paysan a besoin d'un tracteur, il va chez un concessionnaire. Comme nous, quand on a besoin d'une voiture, on va chez un concessionnaire, Renault, Peugeot, je ne sais pas, quelque marque. Le paysan, il va chez un concessionnaire, Massey Ferguson, Deutz, Fendt ou quelque chose. Imaginez-vous, au Burkina, il y a 3 ans, il n'y avait pas un seul concessionnaire d'une quelconque marque de tracteur. Hein? Donc, imaginez ce manque. Qu'est-ce qu'un paysan peut faire s'il n'y a même pas quelqu'un où il peut acheter ce dont il aurait besoin? Et donc, il faut aussi, et je pense que là, est aussi un volet, et que c'est intéressant parce qu'aussi bien Franck l'adresse dans un de ses piliers, qu'au sein d'ADA, on a déjà travaillé sur des éléments dans cette direction-là. Voilà, maintenant je ne vais quand même pas prendre le temps de notre cher président, Max Mayer, président de ADA, nouveau président d'ADA, à lui de faire la conclusion définitive. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus. Nous sommes donc aujourd'hui plus qu'au midi de la microfinance, d'une certaine manière nous sommes au midi de la mésofinance, méso c'est ce qui est au milieu, donc ce qui n'est pas servi par les institutions de microfinance et en tout cas insuffisamment servi par les banques, c'est-à-dire les PME dans les pays en voie de développement. Donc ici, nous parlons d'inclusion financière de PME, de millions de PME, et oui, bien sûr aussi d'accompagnement non financier, et nous parlons aussi d'inclusion financière et d'accompagnement de millions de petits entrepreneurs potentiels. ADA a regardé cette évolution et il nous semble clair que une des vocations des IMF, c'est ce que Laura a appelé le upscaling, c'est d'accompagner les micro-entrepreneurs qui peuvent devenir plus grands, et c'est aussi de servir les PME existantes à de multiples niveaux. C'est au fond d'appliquer les méthodes que nous avons appliquées à la microfinance à un niveau supérieur, c'est-à-dire, bon, d'une part, l'appui avec nos partenaires, l'appui financier et non financier, c'est l'innovation, c'est de créer du levier via des réseaux, via des groupements et sociétés existantes, c'est d'être catalyseur entre différents partenaires et partenaires potentiels, entre des expériences réussies, les transplanter vers d'autres continents et d'autres pays. Et bien sûr aussi, c'est d'avoir une approche à la fois macro, hein, macroéconomique, règlements, lois, etc. Best practice, méso au milieu, c'est-à-dire d'approcher les institutions et autres organismes qui ont le même but que tout ceci. Et bien sûr aussi au niveau micro, c'est-à-dire d'accompagner concrètement pour des projet pilote, les micro-entrepreneurs. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon travail et beaucoup de succès. Quand même encore un petit mot, un grand merci, bien sûr, à la Banque de Luxembourg, comme toujours, qui nous a reçus ici, au ministère de la coopération
qui nous soutient. À Franck d'avoir fait le long voyage et félicitations d'oser accompagner et aider des start-up, ce qui est très difficile, à Haïti. Vous avez choisi le défi, je dirais, le plus grand qu'on puisse prendre. Bravo. Merci à Laura et à Patrick. Merci à Infine aussi qui a co-organisé ce midi. À bientôt.